Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Petites Astuces. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment convertir un fichier audio. Vous pouvez voir par exemple qu'ici j'ai un fichier en extension WAV. On va voir comment convertir cette extension de fichier en une autre, comme par exemple MP3 qui est beaucoup plus classique et fonctionne dans la plupart des logiciels. Donc pour cela, première étape, on va se rendre sur Google et vous allez taper convertir audio par exemple. Cela va vous permettre de trouver plusieurs convertisseurs en ligne et c'est vraiment très pratique. Je vous mettrai plusieurs liens de convertisseurs juste en dessous de la vidéo dans la description. Et moi, celui que j'affectionne particulièrement, c'est convertio.co car il est vraiment super simple. Donc je vais cliquer dessus et je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Donc vous allez arriver sur cette interface avec un bouton rouge, choisir les fichiers. Donc là, vous avez deux options. Soit vous allez cliquer sur ce bouton rouge, ce qui va vous permettre d'accéder à tous vos fichiers dans l'explorateur Windows et vous allez pouvoir directement sélectionner le fichier que vous souhaitez convertir, ou soit vous pouvez directement le glisser si vous l'avez sur votre bureau ou dans un dossier et le ramener sur la page. Les deux fonctionneront et donc suite à cette étape, le fichier va être déposé sur le site. Vous êtes ensuite invité à choisir le format que vous voulez. Donc moi, il était en WAV et dans mon exemple, je veux le mettre en MP3, mais vous pouvez voir que vous avez énormément de fichiers audio différents. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Je vais prendre le fichier MP3, vous avez un onglet paramètres qui peut vous permettre d'améliorer par exemple la qualité de conversion. Mais moi je vais rester avec les paramètres par défaut et je vous conseille de faire pareil car c'est amplement suffisant. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rouge convertir juste à cet endroit. Donc la conversion va se faire, vous avez juste à patienter quelques secondes. Ça va dépendre de votre connexion et de la taille du fichier. Une fois que le fichier aura terminé de se convertir, ça sera écrit terminé tout simplement et vous aurez l'option télécharger qui vous permettra de télécharger le fichier. Cette fois-ci dans l'extension que vous avez choisi. Donc moi c'est le MP3 et vous pouvez voir que quand j'ai téléchargé, j'ai bien un fichier en MP3. Si celui-ci, je le glisse à côté de l'autre, vous pouvez voir qu'on a bien la différence au niveau des extensions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment convertir des fichiers audio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines astuces sur la chaîne. Ciao, ciao!